Salut, c'est Lulu, chorégraphie Unforgettable. C'est une 48 comptes, 4 murs avec un tout petit agrès d'art. A tout de suite pour le calling. It was the 14th of October and a t-shirt on your shoulder. I was drunk and I was sober and you said, yeah, right. We were talking for a minute, then some guy tried to cut in. He took my hand and we pretended like I was your guy. Oh, and I tried to guess your middle name for 30 minutes, but we played that game. That name, cold beer, you were drinking, and that cold play song that you were singing. Shots like it was nothing, did the running and you loved it, yeah, you laughed out loud. Brushed away your body and you kissed me out of nowhere. I can still show you the spot where everything went down. Oh, I told you I was gonna marry you. You probably didn't think that it was true. That you made me thought we knew you were drinking and the cold play song that you were singing. Et maintenant, le calling. Donc, comme je vous le disais, c'est une 48 comptes de murs avec un petit agrès d'art. Et bien, écoutez, on va commencer tout de suite et puis je vous expliquerai tout à la fin du calling. On va donc commencer le poids du corps sur la jambe gauche par un jazz box. Donc, croise, recul, côté, croise, parce que c'est un jazz box, cross. Puis, on va pointer sur le pied droit, sur le côté droit, et faire derrière, côté et cross. D'accord? Donc en fait, c'est une pointe behind side cross. Donc si on reprend depuis le début, ça fait croise, recul, côté, croise, pointe derrière, côté, cross. Donc là, on a déjà nos 8 premiers comptes. Ensuite, on va faire des out, out, in, in, mais légèrement modifié parce qu'on va les faire donc en 8 ans au lieu de 4 parce qu'on va les faire en toe strut. Donc on a fini cross, on va commencer donc pied gauche, je pose ma pointe, je mets mon talon, j'ouvre ma pointe, je mets mon talon, je recule ma pointe, je pose mon talon, je recule ma pointe, je pose mon talon et on est d'accord que je finis poids du corps sur la jambe droite. Donc on insiste bien sur les toe strut, de bien appuyer sur le ball et après de poser le talon parce que le pied ne quitte pas le sol. Comme je vous l'ai déjà dit, un toe strut c'est ball, pose et pas ball, soulève, pose. D'accord? On refait ça depuis le début. 7, 8, le jazz box, cross, pointe, behind, side, cross, toe, strut, toe, strut, toe, strut, toe, strut. Ensuite, on va faire un cross rock, chasse et quart de tour, step demi-tour, chasser et rocking chair. Ce qui nous donne cross, rock, chasser, quart, step, turn, pas chasser. Et on va mettre le rocking chair. Rocking chair. On reprend ça depuis le début.
Ça nous donne donc le jazz box, cross point behind side, cross toe, strut, cross rock, chassé, garde tout, step, turn, pas chassé, rocking chair, re. On va enchaîner avec un step, quart de tour, cross, pause, step, quart de tour, cross, pause. Ensuite, on va avoir side, touch, side, touch, side, rassemble, side, touch. Donc j'ouvre mon ma jambe droite, side, touch, side, touch, side, rassemble et side, touch. Pour finir par un chassé à gauche, rock back, kick, kick, rock back. Chassé à gauche, rock, back, kick, kick, rock, back. Fin de la danse, je reprends les deux dernières séquences, enfin les trois dernières séquences. On a fini donc en rocking chair, step, car, cross, pause, side, touch, side, rassemble, side, touch, chassé à gauche, rock, back, kick, kick, rock, back. Je refais ça depuis le début avec le non-départ, ensuite avec les comptes et pour finir, je vous donnerai le tout petit agri-start. Ça nous donne donc jazz box, cross, point, behind, side, cross, out to strut, in to strut, in to strut, cross, rock, chassé, quart de tour, step, turn, chassé, rocking, chair, re, step, quart, cross, pause, side, touch, side, rassemble, side, touch, chassé, à gauche, rock, back, kick, kick, rock, back. J'ai mon poids du corps sur la jambe gauche, je suis sur mon deuxième mur et donc je suis prêt à repartir en jazz box. Avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le petit tag, il est au troisième mur, la première fois que vous revenez à midi, et vous allez légèrement modifier la fin de votre première séquence. C'est-à-dire que vous allez faire votre jazz box, pointe, behind side, et là au lieu de faire un cross, vous allez faire un touch. Et vous repartez avec votre jazz box, étant donné que c'est un tag restart. Donc je répète, je fais mon jazz box cross, je pointe, et au lieu de faire behind side cross, je fais behind side touch, et je repars. Et ben voilà, je pense que vous avez toutes les clés en main. Bonne maison et à plus pour d'autres vidéos. Bye!